Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazyp et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay commenté sur Call of Duty Modern Warfare 2. Donc ce que je vous propose c'est immédiatement de parler du gameplay, comme ça on s'en débarrasse et on parle de choses un peu plus intéressantes et un peu plus importantes par la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes en mode match à mort par équipe sur la map Afghan, une map que j'adore au passage. Et je joue avec le Space 12, chargeur grande capacité. Alors le Space 12 est un fusil à pompe considéré comme étant abusé, j'en suis parfaitement conscient et je suis totalement d'accord avec les personnes qui le disent. Mais personnellement, je préfère une personne qui joue au Space 12, parce qu'il est quand même assez compliqué à gérer par rapport au AA12, où il faut que on a juste à mitrailler hein, l'ennemi. Mais bon, enfin bref, on va pas commencer. Chacun son type de jeu. Donc en arme principale, j'ai pris le P90 silencieux, pour nos amis belges le P90, donc au passage un petit coucou à Navy. En atout, j'ai pris Marathon Pro, Force d'opposition Pro, Visée Solide Pro, et en bonus d'élimination, le Predator, le Harrier et le Pavlo. Donc immédiatement, je voulais saluer les deux personnes qui m'ont accompagné durant cette partie, donc c'était Dylan et Warcry. Un petit bonjour à eux. Et je voulais m'excuser auprès d'une personne, donc c'est Legend Phoenix, qui m'avait proposé de m'envoyer un gameplay sur MW2 au Space 12 sur Favela, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, il a son HDP vert depuis très peu de temps et il m'a proposé un gameplay, c'était vraiment très gentil de sa part. Mais le problème, c'est que en le téléchargeant, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que la vidéo laguait énormément. Alors j'ai essayé de trouver le problème, malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Je pense que ça vient du site d'hébergement, mais je n'en suis pas sûr. Donc voilà, je m'en excuse. Au passage, si vous voulez voir ce gameplay, ben, allez voir la chaîne de Legend Phoenix qui s'affiche en haut de la vidéo. Franchement, il fait vraiment de très bons gameplays. Bon, parce que je le connais, il a fait qu'une seule vidéo pour le moment. Mais franchement, allez voir sa chaîne, il va faire des petits gameplays commentés. En tout cas, je l'espère dans très peu de temps. Et puis bon, bah laissez quand même vos avis, ce serait sympa pour lui. Bon, maintenant passons un petit peu aux remerciements, parce que nous sommes le samedi 15 octobre. Cela fait 2 jours à peu près que ma vidéo sur Code 4 en mêlée générale à l'ancienne a été publiée sur Code QG. Donc encore une fois, je remercie la chaîne Code QG, parce qu'ils font vraiment du très beau travail. Ensuite, remercier les plus de 190 nouveaux abonnés. Alors je sais pas si c'est essentiellement, enfin je pense que c'est essentiellement, pardon, des personnes qui viennent de la chaîne Code QG, mais peut-être que d'autres ont découvert notre chaîne par hasard, ou je sais pas. En tout cas voilà, je remercie énormément les personnes qui ont laissé leur avis sur la vidéo, qui ont mis pouce vert tout en disant voilà ce qui leur a plu, tout ça. Et en même temps, voir 190 nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. Surtout en 2 jours, ça fait quand même un bon chiffre, hein, personnellement. La première fois, je crois que c'était à peu près c'était à peu près le même chiffre, si je me souviens bien. Mais ce que j'ai vraiment regardé par rapport à la première fois où je suis passé sur Code QG, c'est le nombre de pouces verts et de pouces rouges. Alors là, pouces verts, j'en suis à peu près à 330, si je me souviens bien. Et pouces rouges, j'en suis à seulement 4. Alors franchement, pour regarder très souvent des vidéos de Code QG, des gameplays et tout ça, je trouve ça assez exceptionnel de voir seulement 4 pouces rouges. Alors, je sais pas du tout si c'est parce que c'était Code 4 et que ça a vraiment plu, ou enfin je sais pas du tout, ou si c'est moi hein, tout simplement. Certains m'ont vraiment dit qu'il y avait rien à redire sur le gameplay et le commentary, donc là ça m'a vraiment surpris de voir des commentaires comme ça, donc voilà je remercie tout le monde. Là, je m'étends un petit peu dans les remerciements. Mais voilà, je voulais vraiment en parler dans cette vidéo. Mais bien entendu, j'ai parlé des 190 nouveaux, mais j'oublie pas les anciens qui sont là depuis le début, d'autres depuis moins longtemps. Franchement, ça nous fait énormément plaisir. Donc toute la team Do, on se joint à moi pour vous remercier tous. Ça nous fait énormément plaisir de voir qu'on est vraiment soutenus, qu'on a un peu plus d'activité qu'il y a un mois, parce que c'est vrai, il y a un mois, on avait beaucoup beaucoup de mal à dépasser les 100 vues. Et là, bon bah en une journée et demie, voilà, on a dépassé les 100 vues, donc voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit, je me suis un petit peu répété, j'en suis désolé.
Maintenant, on va un petit peu parler, parce qu'il doit rester peut-être 1 minute 30 de gameplay, des projets que nous allons vous proposer pour les remerciements. Donc pour les 400, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, nous allons vous proposer une petite partie sur Moon avec donc 2 membres de la team. Donc ce sera normalement les 3 fondateurs de la team. Donc Anthropos92 avec ses vidéos que vous avez pu voir sur les vidéos de Minecraft et de Amnesia. Donc voilà, Anthropos92. Damien Rouchamp, donc qui a sa chaîne perso d'ailleurs au passage, vous la trouverez dans la subbox. Et moi-même, excusez-moi. Et moi-même, donc voilà, on essaiera de vous proposer une petite partie détente, on va dire, sur Moon. Et pour les 500 et 600, on va essayer de regrouper, parce que c'est vrai que proposer des vidéos originales et en même temps qui plaisent, c'est pas facile. Donc pour les 500 et 600, pardon, on essaiera de vous organiser un petit concours. On ne sait pas encore comment ça va se dérouler. On cherche encore un petit peu des idées, des idées de prix, entre guillemets. Bon, ce sera pas comme la chaîne Code QG, on va pas vous faire gagner un HDPVR, hein, faut pas croire non plus. Donc voilà, enfin bref, je pense que j'ai tout dit durant cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. N'hésitez pas à donner votre avis, à mettre un pouce vert si la vidéo vous a plu. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé la partie avec 28 à 3, donc c'est vraiment une assez bonne partie. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Got a man down. C'est des tars, sada. Avion espion prêt à décoller. Quelqu'un brouille notre radar.